Duh. La première fois, c'est normal, je me suis pas mis debout, mais j'ai essayé. Et en fait, c'est que à la fin du cours que j'ai réussi à me mettre debout. Cuando yo vengo a revisar, esta es la condición que quiero ver. Okay. Il y a des gestes à faire, il faut toujours, en fait, c'est pas t'es allongé par terre et tu dois te mettre debout comme quand tu sors d'un lit ou que t'es sur un matelas par terre. Au début, en position 1, on plie le genou pour aller le pied vers le genou. Ensuite, 2, c'est que le pied qui était pas, tu avais tes mains comme ça sur le torse, et du coup, le pied que t'as pas bougé, tu le mets entre tes deux mains. Après, la jambe que t'as pas bougée, tu la mets entre tes mains. Et ouais. Après, tu pivotes tes pieds pour te mettre debout. Et tu gardes tes bras et tu te tends droit avec les jambes pliées. Et on met les mains comme ça, en direction toujours vers la place. C'est la grosse. Le même mot comme mantequilla, comme sal. Y chocolate. Bienvenido a la casa de Costa Rica. ¿Samara? De Samara. Ok, hola amigos de Francia. Ok, alors. Il y a un grand jardin. Avec une grande maison. On fait du body surf, donc il y en a une planche. Ah non, il y a les deux. Oui, on a du vélo pour moi, non, mais ça c'est le vélo de papa et maman. Ouais, il y a encore des petites tables où on mange. C'est là que manger? Ils ont tout nu. C'est Pico. Coucou. C'est maman. Avec Pou. Alors. Oh, on voit tout le jardin que je voudrais montrer. Là c'est Samara, là c'est la jungle. Très joli. Elle est où la mer? Là on voit tout. La mer elle est par là-bas là. Tu vois, on fait ça là et là on arrive à la mer. Et un superbe arbre. En fait tu vois les singes qui débarquent de là. Ouais. Et après ils font manger sur la table, là, et après ils sautent là, et après ils sont dans l'arbre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cet arbre-là? Ils viennent manger. Je les ai vus en train de faire une grosse sieste surtout. Bah oui, ils viennent manger aussi parce qu'il y a des graines en fait qui mangent, et sinon ils font l'après-midi. En fait nous on les a vus quand on partait à la plage, c'était le premier jour. Et quand on est revenu de la plage, et ben, ils étaient tous en train de dormir à poil sur les branches. T'as aussi des écureuils, plein de trucs. Et sinon, on a un iguane qui habite dans notre toit. Et souvent, en fait, souvent, il vient nous voir. Il
reste pas, mais on le voit complètement en entier. Et un jour, une des mamans l'avait fait du bon pain perdu. Et on est parti, on avait laissé les deux tartines de pain perdu de ma mère sur la table. Et on est parti deux secondes. Et quand on est revenu, et ben la banane de Maya, elle avait été entamée. Il y avait un pain perdu qui avait été entamé, l'autre tartine, j'imagine qu'elle avait été léchée, mais en tout cas, il n'y avait aucune trace. Et maman, elle a vu l'iguane qui repartait vers son endroit là, en grimpant sur le mur. Et du coup, en fait, l'iguane, il avait mangé le goûter de Maya. Some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission.